بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons nos chapitres le fadl al-dhikr, vertu de zikrullah. Une rectification pour me faire hier, nous lisons un hadith que nous trouvons: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Moi je peux dire c'est deuxième kalima, c'est quatrième kalima ça. Plus précisément c'est quatrième kalima. Alors pour aujourd'hui, hadith 1413, wa'an Abi Dhar radiyallahu anhu qal, rapporté par Sayyidina Abu Dhar al-Ghifari رضي الله عنه لجيه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجيه avec moi ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل. Est-ce qu'il te parlait moi dis à toi qui parole qui Allah عز وجل plus content. أحب الكلام veut dire Allah plus content, donc lui donne plus savoir et en même temps parole qui n'a plus valeur. Inna أحب الكلام إلى الله, certainement parole qui les plus content Allah subhanahu wa ta'ala plus content. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, donc plusieurs fois nous retrouvons sa même formule là: pureté à Allah et louange pour lui. Donc nous faisons trouver qui bonne parole qui plus content. C'est là il y a quatre paroles comme ça: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ces quatre paroles-là, c'est parmi les bonnes paroles qui Allah plus content. Alors, c'est les bonnes paroles qui disent Dieu. Bonnes paroles qui disent Dieu. Mais, les ulama disent nous qui est dans le Coran Sharif, Kalamullah. Ça, il n'a plus de valeur. Coran Sharif, il n'a plus de valeur. Mais seulement, le Coran, c'est une autre affaire, il est complètement différent qu'il fait, parce que c'est Kalamullah, ça. Ici, c'est Kalamunnas. Ça veut dire, nous qui disons ça. Nous disons Subhanallah, ou soit, nous disons Alhamdulillah, ou soit nous disons Bihamdihi. Donc, nous ne pouvons pas voir les Coran Sharif, les restes Coran Sharif. Donc, ce qui n'a plus valeur, c'est le Coran. Mais là, il peut dire, parmi les paroles qui disent, Allah, c'est qui plus content, c'est sa bonne parole. Alors, le prochain hadith, 1414, Wa'an Abi Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, قال, rapporté par un sahabi qui appelle Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, il dit, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, At-tuhuru shatturul iman. At-tuhur veut dire, c'est la pureté, c'est la propreté. Et la propreté, dans toute façon, ça veut dire la pureté physique. Nous linge, nous l'écho, les impropres. Dans l'endroit, la place que nous étions, les impropres. Et la pureté, manawi, comment nous dire, ça veut dire en dans nous, la pureté spirituelle, nous l'esprit, nous l'équerre, les impropres. Quand nous veut dire l'équerre, les impropres, propreté, depuis une mauvaise pensée, depuis nifar, depuis une mauvaise quelque chose. Comment nous finissons à prendre? Alors, tout ça là, il englobe la propreté. Donc, sa propreté, sa pureté là, chatturul iman. Chattur veut dire la moitié. Donc, si nous traduisons littéralement comme ça, la pureté, la propreté, c'est la moitié iman. Ça. Alors, ben, ulama explique-nous qu'iman ici, il veut dire aussi salat. Iman veut dire salat, namaz. Donc, pureté, c'est un parmi les conditions namaz. Condition namaz, qui veut dire? Condition, c'est ben quelque chose qui les trouve en déo quelque chose là. Par exemple, si nous prenons l'exemple namaz, les trouve en déo namaz, mais seulement sans ça, pena namaz. Sans ça, pena namaz. Alors, un de ben quelque chose là-dedans, c'est la propreté. Ça veut dire, un dimon avant de faire namaz, il besoin pena hadath dans lui. Hadath veut dire hadath akbar avec asrar. Hadath akbar, c'est quand un dimon les junoub, les pena roussal. Donc, il n'y a pas qu'à avoir namaz s'il est dans cet état-là. Hadath asghar veut dire qu'il n'y a pas wazou. Si un dimon n'y a pas wazou, il n'y a pas qu'à faire namaz. Donc, sa taharat-là, sa tuhur-là, il est nécessaire. Si un dimon il met un linge qui a une impureté là-dedans, si pas un gros bout de 10 ans là-dedans, ou soit une autre qualité impureté là-dedans, ce namaz n'est pas pour bon. S'il est dans une place qui est mal propre, ce namaz n'est pas pour bon. Donc, trouver ça d'une façon bien simple de trouver. Qui, si peine à taharat, si peine à tuhur, alors, pas pour une namaz. Alors, comme ça même, il y a beaucoup encore dans les autres quelque chose, bizarre taharat. Et nous vous trouvez dans le fiqh, premier chapitre, tout le temps, c'est taharat. Premier chapitre, c'est la purification, là, dans les montrer nous,
qui bannent quelque chose qui nous appelle propre, qui bannent quelque chose qui nous appelle impur, qui bannent qualité impureté qui est là, comment nous pour purifier lui, comment nous pour faire oiseau avec Rosal, qui bannent de l'eau qui nous gagne droit servi, qui bannent de l'eau qui nous pas gagne droit servi, avec tout ban masla qui vient avec un atayamum, tout ça là. Donc, at-tuhuru shatrul iman. Littéralement, la pureté, la propreté, c'est la moitié iman, ou soit comme ban ulama dit à nous, c'est la moitié salat. Walhamdulillah, il tamla ul mizan. Et alhamdulillah, alhamdallah, sa parole alhamdulillah là, li rempli balance. Fa amma man faqulat mawazinuhu. Celui qui se balance in bin lou, fa huwa fi aishatin radiya. Alors, li li dan grand, li dan la vie qui remplit avec satisfaction. Jannat. Alors, sa balance bon action là, li bien rempli. Alors là, nous avons une petite chose qui remplit balance bien. Comme le Rasoul Sassam dit à nous ici, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça lui remplit balance. Donc, il est maximum. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an, ou soit tamla'u, ma bayna samawati wal ard. Et ça déparole là, subhanallah, avec alhamdulillah, je te remplis ce qui est là entre la terre avec le ciel. Ça veut dire, comme un savant dit à nous, si ça déparole là, tient à l'écho, le tikaram est d'autres, comment dire, une façon qui t'occupe l'espace, alors je t'occupe tout l'espace qui est là entre la terre avec le ciel. Donc ça, c'est, mon hadith là peut montrer nous grandir, ça, mon parole là. C'est pas mon petit parole, ça. Il vient simple la langue, comme un rasoul, ça, mais même il dit, khafifatan ala lisan, léger la langue, il vient simple. Alhamdulillah, il vient simple parce qu'il nous fait apprendre lui depuis petit, nous fait réciter lui beaucoup. Mais c'est moi, il faut pas à cause lui simple, les perdit valeur. Je dis, ça, c'est bonnes affaires qui peinent beaucoup valeur, ça. Non. Il y a énormément valeur. Get là, qui bonne valeur qui en a. Get, qui bonne expression qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut servir pour montrer nous qui consiste valeur, il y en a. Subhanallah, alhamdulillah. Si nous, quand même, mettons dans le fond, ben, l'écho qui prend l'espace, alors je dis, vous prenez tout l'espace qui est là entre la terre avec le ciel. Imagine sa valeur, là. Et alhamdulillah, il remplit balance. Ça même qui nous besoin, nous balance remplie. Alors, là, nous trouvons ensemble, ben, vertu, sa quatre paroles là, dans différents hadiths. Subhanallah, alhamdulillah, ou soit wa bihamdihi, qui veut dire même affaire, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et nous finissons trouver dans mon hadith avant, la hawla wa la quwwata illa billahi al-alim azim. Donc, encore une fois, nous redis, c'est tout ça là, englobé dans al-baqiyat al-salihat. Ce qu'il appelle, troisième kalima, subhanallah, walhamdulillahi, ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وشان حديث 1415 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه rapporté par le grand sahabi أن parmi ban ashara mubashara سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لجيء قال لجيء جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن أعرابي نغبا بدوان فين فين قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فين جالي علمني كلاما أقوله أنسيموا أن فاول كي مكباف جيا دونك أن قومي من أذكار قال رسول صلى الله عليه وسلم جالي قل جيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. Ça, c'est une parole là, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il enseigne. Donc, ça, c'est une parole qui nous connaît. Et il y a une petite différence, mais un dans l'autre, quand nous pouvons dire tout ce qui nous habitait, dire finalement, nous pouvons couvrir tout cela. Alors là, ilaha illallah, n'a pas aucune divinité, aucun bon Dieu à part Allah. Wahdahu, comme on expliquait, il est tout seul. La sharika, là, vous n'avez aucun associé avec lui. Allahu akbar kabira. Allah, les grands, les bien grands même. Walhamdulillahi kathira. Et alhamdulillah beaucoup. Ça veut dire nous dire alhamdulillah beaucoup, nous faire beaucoup louange pour Allah. Subhanallahi rabbil alamin. Piété à Allah, Seigneur, Rabb de l'univers. Alamin ici, alam, alam comme on les a expliqué avant. C'est le monde. Alam, ça veut dire le monde. Et nous capables de venir le monde de Banjimun, le monde de Banjin, le monde de Banjanimo. Différentes qualités, le monde, il y en a. Donc, différentes qualités. Il y a la terre, il y a les autres planètes encore, il y a les autres astres, il y a l'espace entier. Donc, c'est l'univers. Alamin, c'est l'univers entier, dans tous les sens du mot. Qu'il y ait dans ce sens astronomique, ou soit dans ce sens géologique, dans différentes qualités, la terre qui est là, ou soit spirituel,
ou soit dans un différent, on pas connaître peut-être dimension qui est là, dans toute façon qui vous pense, ou soit dans toute l'époque, alors tout ça là, Allah dit Rabb de tout ça là. La hawla wa la quwwata illa billah, et pena aucun pouvoir ni puissance excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est trésor jannat. Al-Aziz, c'est lui qui en a beaucoup, Izza, beaucoup Izzat. Al-Hakim, c'est lui qui est très sage. Alors ça, c'est zikr qui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donne sa bédouin là, pour lui dire. Quand bédouin là dit, « Faha oula ili rabbi, ça m'a fait pour mon rab ça. » Ça veut dire, il peut glorifier Allah, il peut faire Allah, souhamd. « Fama li, alors qui en a pour moi ?» Qui lui peut dire pour là? C'est qui m'a pour faire hamd, thana, pour mon rab? Et mon envie, j'ai mandoua pour moi. Alors là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, jali, قال لجلي قل جيا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني او الله اغفر لي غفر يغفر وجه pardonné donc او الله pardonne moi وارحمني ارحم لي سوتي دال مو رحمه اي في رحمه لو مو في miséricorde لو مو واهدني هدا donc nous gagne huda qui veut dire la guidance on expliquer. Alors, guide-moi dans le chemin droit. Waruzukuni, et donne-moi rizq. Rizq veut dire subsistance, tout ce qui m'a besoin pour me vivre. Ça veut dire mon manger, mon boire, avec tout bon les autres affaires encore. Parce qu'il n'a pas besoin juste manger, boire pour vivre. Il a besoin tout bon les autres affaires encore. Et c'est Allah même qui donne-moi. Donc, il montre-lui, dire Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, waruzukuni. Oh Allah, pardonne-moi, fais rahamlo-moi. Guide-moi et donne-moi ma subsistance, donne-moi mon rizq. Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, warzuqni. Alors comme ça, il y a beaucoup de les autres adhkar encore, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous. Ça c'est un adhkar qui est général. Il est général, de temps en temps, nous l'yali. Et il y a un adhkar qui est spécifique. L'yali spécifiquement dans tel l'air, après namaz par exemple, ou soit dans tel moment, tel moment. Donc, ce chapitre-là, avec un hadith qui nous coulait, nous pouvons trouver un hadith, un zikr qui nous liait. Donc demain, Inch'Allah, nous pourrons anticiper un zikr. C'est qui Imam An-Nawawi fait mentionner. Un zikr après namaz qui nous liait. Et donc, nous rappelle qu'Imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il y a un livre complet qu'il fait écrire qui s'appelle Kitab al-Azkar. C'est un livre qui est accessible, il est bien, bien connu, ça. Donc il est facile pour gagner. Il est bon si nous en allons. Kitab al-Azkar, le livre de Ban Zikr. Et là-dedans, il détaille tout ça, il met Ban Hadith là, il montre tout ce Ban Zikr là, dans tout moment qui est là, qui Zikr, qui besoin lié, d'après Ban Hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq, apprendre, nous connaît Ban Zikr qui besoin lié, qui fait nous la langue, avec nous le cœur, avec nous Ban Parti, les corps, engagés dans Zikr, dans différentes façons. D'une façon qu'il est même content, d'une façon qui, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finançait nous. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa barik wa sallim.